La fin de la cavale pour le dangereux terroriste Sehal Kulcher, condamné à mort pour avoir tenté de mener des opérations explosives à Nouakchott. Le terroriste ainsi que la personne qui l'a aidé à sortir du pays, en l'occurrence Mohamedine Oulsambol Bougui, ont été arrêtés par les forces de sécurité à Conakry et rapatriés aujourd'hui à Nouakchott. Une cellule impliquée dans la lutte du criminel a été également démantelée par les forces de sécurité. Ces dernières, grâce à des investigations minutieusement menées, avaient suivi les traces du terroriste qui s'était infiltré au Sénégal, puis la Guinée-Bissau, avant d'entrer en Guinée-Conakry, où il a été arrêté. On se le rappelle, le terroriste s'était évadé le 31 décembre dernier de la prison de Nouakchott.